La victoire est vitale aujourd'hui. Il y a un risque réel de se faire éliminer de cette phase de groupe. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. L'ambiance est en train de monter dans toutes les tribunes de l'Albaït Stadium. Salut à toutes et à tous. Le coup d'envoi, c'est pour dans quelques secondes. La team Dada, et oui, c'est encore nous, Benjamin Da Silva donc, et Omar Da Fonseca. Au programme donc, la deuxième journée de phase de groupe dans ce mondial. Et l'affiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices. Il n'y a rien qui ressemble à un match de Coupe du Monde. C'est toujours une émotion particulière pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. Voyons le 11 qui va démarrer. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça a permis une bonne domination de l'espace. Alors, voici la compo de départ. Rapidité, endurance, organisation. Ce 4-4-2 à plat, c'est un classique, mais c'est indémodable dans le football. Allez, c'est parti pour ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Et la frappe part bien. Eh oui, le bon réflexe. Ah, le corner bien tiré. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Oui, dans la profondeur. Très bonne couverture de balle. Et un arrêt qui fait du bien. Le corner. Ballon arrêté, Mano Tasso. Incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Oui, le tir. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Et ça joue dans un petit périmètre. Le ballon pour Rodminson. Et hop, le danger est écarté. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Et encore un corner à tirer. Et ce corner est joué court. Parenthèse pour parler d'un joueur à surveiller, très souvent dangereux, c'est Onyx. Et oui, sa spécialité, c'est d'accélérer ce rang aux 2 mètres. Pas besoin de beaucoup. Une fois lancé en profondeur, c'est fini.
Corner. Ah, il y a un excellent positionnement de la défense et la tête passe loin. Et la récupération du ballon. Et c'est une frappe. Ah, le gardien qui se couche bien là-dessus. Un corner qui est bien ajusté. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Olé, belle technique là. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Bonne pression de la défense et donc le ballon sort des limites du terrain. Et la possession change de camp. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Combinaison, ça joue en deux temps. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Et le match peut basculer. Oui, bonne défense, mais le danger est toujours présent. Et la frappe est bien contrée. Le ballon pour Odminson. Et le tir, attention! Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Larine. Allez, il faut lever la tête maintenant. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Très bonne couverture du ballon. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. La passe en profondeur. Ouais, l'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème des synchronisations. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. Et c'est pour Hugminson. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Et c'est pour Hugminson. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Rien de très difficile sur cet arrêt. Ballon perdu, attention, ça peut coûter très cher. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Bonne possession offensive. Ballon intercepté. Finalement, le centre ne donne rien. L'arbitre qui siffle à l'instant et indique donc la pause ici à l'Albaït Stadium.
C'est parti dans cette rencontre de phase de poule du Mondial. La deuxième mi-temps, c'est donc reparti dans ce match de poule du Mondial. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Ah, bonne position. Oh, et bien joué, la bonne intervention. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Minson. La circulation du ballon pour déstabiliser la défense. Et quel ballon dans le dos de la défense. Et oui, et c'est au fond. Et pour notre plus grand plaisir, évidemment, le match est relancé. On la revoit, cette passe à la limite de hors-jeu qui vient offrir une excellente situation de but. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Ah, le score de parité est donc un partout. Le ballon change de camp. Ouais, une bonne séquence de passes, ça construit bien. Ah là là, ballon perdu et ça repart donc dans l'autre sens. Le ballon en touche. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Larine. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et bien joué dans la profondeur. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder son avance. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Un ballon dans la profondeur. Oh oui, le but du break. Nouvelle action, nouveau but. Mais quel réalisme! On le revoit et c'est le but typique d'Avançant. Le type qui est toujours au bon endroit, au bon moment. Aucune chance pour le gardien à cette distance. Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1.
les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, les voilà dépossédés du ballon. Wang Wijo, il y a un contrat joué maintenant. Et pourquoi pas ici? Il y a du monde à la tombée, mais le danger n'est pas totalement écarté. C'est dégagé. Et donc attention, corner. Le corner. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Le ballon pour Rodminson. Le centre au second poteau. Oh, c'est bien défendu. Et voilà, ça sort en touche. Un peu de coaching avec ce changement. Wang Wijo avec le ballon. À la conclusion peut-être sur ce ballon. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Le corner. Le ballon, là aussi, sans aucune difficulté pour le gardien. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Ouais, bien joué. La passe pour créer le danger. Alors, le centre est contré. Le ballon ne passe pas. C'est dévié. Et c'est un corner, selon l'arbitre. Oh là là, dégagement complètement loupé. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Ah, dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la pelouse. Ah non, c'est contré. Ah, ce ballon est récupéré. L'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que va dire l'arbitre? Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Et le temps additionnel qui est donc de 3 minutes dans cette rencontre. Ouais, ça presse bien. Excellente intervention, ça sort en touche. Ouais, bonne récupération du ballon. Avec Jonathan David, c'est terminé. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire, donc avec cette défaite à l'extérieur. Et oui, un match très compliqué pour elle aujourd'hui, surtout au milieu de terrain. Si tu n'arrives pas à mettre en marche une dynamique favorable, tout devient très difficile.